Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de Fabio Humanité Amor Fati et nous sommes avec Clémentine aujourd'hui. Bonjour Clémentine. Bonjour Fabio. Donc Clémentine, je t'ai découvert parce que tu faisais un partage sur un groupe d'auteurs et de lecteurs autour de l'écriture de ton livre. Donc comme tu l'as indiqué, tout comme moi d'ailleurs, donc le tien s'appelle Comment va mon fils? C'est ça, tout à fait. Et j'ai été interpellé par ta démarche, donc je me suis dit, ben pourquoi pas, puisque moi aussi je suis dans une démarche d'écriture et de partage, pourquoi pas monter des émissions régulièrement sur cette notion de l'écriture, du travail de l'écrivain et de ce que ça peut représenter à tous les niveaux. Donc ça peut être très intéressant d'explorer ça. Et de mettre en avant ce qu'on fait. Voilà, donc bonjour Clémentine. Bonjour Fabio, merci à toi pour ta proposition. C'est vrai que c'est aussi pour ça que j'ai fait une vidéo. Je connaissais personne dans le milieu littéraire et j'étais avide de rencontrer des gens comme toi notamment pour pouvoir partager sur le sujet de l'écriture et aussi partager auprès des personnes qui écrivent des conseils, des réflexions, des idées. Et c'est tout à fait ce genre de démarche que je voulais faire. Je ne suis pas du tout habituée, moi, au streaming comme toi, donc excusez-moi pour les habitués de Fabio, il va falloir que je me mette dans le bain. Voilà, et puis tu as un média en particulier à communiquer au niveau vidéo pour l'instant, tu partages sur quelle plateforme en Alors, général? moi, j'ai commencé la communication, donc mon livre est sorti mi-mars. J'ai commencé la communication essentiellement sur Facebook. Et YouTube, c'était vraiment les prémices. Bah, la vidéo que tu as découverte était ma première. Donc, vraiment, YouTube, je débute sur cette plateforme. Facebook, moi, j'ai un lectorat qui est plutôt âgé. Donc, c'est un bon réseau pour moi. Après, selon les types de livres qu'on va écrire, c'est pas forcément le canal le plus approprié. Si on veut D'accord. toucher des personnes plus jeunes, il vaut peut-être mieux aller sur TikTok ou Instagram ou des choses comme ça. Chose que je ne Bon. maîtrise pas du tout. Ça viendra. Toi, Quoique Fabio, mon tu connais tes... TikTok, j'ai une espèce de, je trouve que c'est une hérésie, mais bon, c'est un autre sujet. Oui. Donc voilà, donc on va présenter alors dans un premier temps, on va faire le point sur des présentations parce qu'on n'a pas eu le temps vraiment encore de se présenter, de parler C'est ça. de ce qu'on fait, de pourquoi on fait ça, etc. Donc on va commencer par une petite partie de présentation, puis ensuite on va vous proposer de réfléchir à l'envie d'écrire vous-même. Qu'est-ce qui peut vous donner l'envie d'écrire et pourquoi cette envie? Et puis, bah, on va vous accompagner jusqu'au développement de l'idée du livre, la prémisse notamment, et puis ben, les intentions d'écriture. Ça, c'est très important. Et puis, bah, on va commencer déjà premièrement par cette petite partie de présentation. Alors, je ne sais pas trop par où commencer. Donc voilà, déjà, moi je me présente, Fabio Casa, auteur de Gandaria, l'âge de la pénombre, aux éditions donc Baudelaire. C'est une petite maison d'édition en édition à compte d'auteur. Donc c'est à échelle humaine et puis c'est l'auteur qui prend les risques qui assume en fait le risque financier sur la production des livres. L'avantage, c'est qu'on se retrouve avec une belle vitrine quand même dans ce format-là, parce qu'on a la possibilité de se présenter sur des sites comme la Fnac, De Citre, etc. Mais le désavantage, c'est que bah, il faut quand même sortir un peu les ronds pour, c'est ça, pour avoir ce privilège. La meilleure solution reste évidemment l'édition à compte d'éditeur, hein, qui est le contrat que tout le Le monde cherche Graal. à obtenir, le Graal. Le Graal. Exactement. Le Mais, Graal. donc voilà, j'ai travaillé. C'est pas la première fois que j'édite ce livre. Je le réédite en fait en intégralité
Il a été écrit en plusieurs parties. Il y a eu des ajouts qui ont été faits au fur et à mesure. C'est pas chronologique. C'est, on va dire, le milieu du livre qui a été édité d'abord dans un premier temps sur Lulu.com, puisque Lulu, quand c'est arrivé, bah, ça fascinait pas mal de monde. On s'est dit, ah bah oui, on peut faire son propre livre. C'est quoi ça? Je connais pas. Lulu.com, c'est ce qui a précédé Kindle Amazon. C'est un site d'auto-édition qui permet de faire à la commande, produit à la commande. Donc, tu étais déjà passé par là avant, je ne savais pas ça, tu m'avais pas dit. Ok. Ouais. Le livre s'appelait « Soleil d'Ariman » à l'époque. Et puis, parce que c'est un sous-thème de Gandalf à l'âge de la pénombre. Oui. La première exposition a été intéressante parce que j'ai fait pas mal de ventes autour de moi, dans mon entourage, avec cette première édition. Par la suite, ça s'est un peu tassé parce qu'ils connaissaient déjà une partie de l'histoire, évidemment. Donc, j'ai dû élargir le spectre de ma communication. Aujourd'hui, je suis dans une période où je suis en train de redécouvrir la communication avec une dimension supplémentaire qui me permet d'oser aller voir les libraires pour faire plus que simplement un dépôt-vente. Là, je vais avoir une dédicace le 22 juin au pavé du Canal à Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc, je suis très content de faire cette dédicace dans une librairie où moi, je me suis fait ma collection d'ouvrages. Vous voyez derrière, donc voilà, c'est déjà une satisfaction, sachant que bon, une séance de dédicace, faut pas non plus s'attendre au miracle, hein, c'est pas le mieux, ça reste les salons, je pense, les salons du livre. Mais j'ai pas testé encore, à tester pour moi. Moi, je suis quand même, je te coupe deux secondes, mais c'est qu'une perception personnelle, mais. J'aime pas trop aller me noyer au milieu de plein d'autres écrivains. Je préfère aller exposer dans des endroits où on m'attend pas, où je suis toute seule. Des petits marchés où tu es le seul écrivain avec des livres. Quelque part, les salons, je m'y sens pas très à l'aise dans l'idée d'aller... On est noyé au milieu de tellement, tellement d'écrivains. Mais toi, tu as déjà testé les salons? Pas encore. Pas encore, ok. Il faut que je teste, parce que pour le... J'ai pas testé encore. J'ai regardé, mais je n'ai jamais exposé. Tu as discuté un petit peu avec des auteurs sur place, tu sais s'ils vendent bien, s'ils se font connaître comme ça. Oui, se font connaître. Les maisons d'édition à compte d'éditeurs qui se baladent sur ce genre de salon, je suppose aussi. Sans doute. J'ai connu aussi quelqu'un qui m'a parlé de son frère qui avait été au culot voir un homme politique important qui était de passage dans le salon. Et qui, grâce à ça, a réussi à trouver un éditeur. Oui. Donc, voilà, faut y aller au culot, faut faire beaucoup de... Ou alors, en tout cas, chacun sa stratégie, on fait avec la façon dont on est à l'intérieur, on ne va pas se réinventer. Oui. Mais bon, il y a de la place pour... on va dire, l'initiative, quoi. Et c'est vrai que les salons, c'est un endroit où on rencontre beaucoup de monde. Donc, potentiellement, on peut faire quelques ventes intéressantes. Voilà. Ok. Et puis, c'est aussi des fois des salons thématiques. Donc, ça veut dire que les gens ne sont pas forcément non plus là par hasard. Ils cherchent quelque chose. Les gens qui viennent dans un salon comme ça du livre, souvent, ils veulent repartir avec deux, trois trucs sous le bras. Donc, bon, il faut se démarquer, quoi. On va tester ça. Ouais. On fera peut-être une petite vidéo sur le sujet quand on aura testé. C'est ça. Peut-être dans un an. Le temps de voir plusieurs options. Donc l'idée ici, c'était de se retrouver avec toi pour parler du livre. Et donc, vas-y, parle-nous un petit peu de toi. Alors, moi, je n'ai pas prévu mon livre comme toi sur mon bureau. Je vais le chercher quand même. Alors, donc moi, j'ai écrit un premier livre qui s'appelle « Comment va mon fils ?» que j'ai auto-publié fin mars. Donc, je n'ai pas utilisé le même procédé que toi, du coup. Toi, tu es passé par une édition à compte d'auteur. Donc, tu as dû faire un apport financier en échange d'un certain nombre de services de la maison d'édition. Correction, impression, tout ça. Moi, je suis passée par Amazon KDP pour m'auto-publier. Donc, ce n'est pas le même système. Amazon KDP, c'est un système où on télécharge son manuscrit. Donc, sur la plateforme d'Amazon KDP,
et on a zéro frais à avancer. C'est-à-dire que les livres sont vendus à la demande. C'est-à-dire qu'ils sont en vente uniquement sur la plateforme d'Amazon. Et dès que quelqu'un le commande, ils sont imprimés à la demande. Donc, il n'y a pas de stock à commander à l'avance. Donc, évidemment, pas de frais à avancer. L'avantage, c'est qu'Amazon le distribue aussi en version numérique. C'est-à-dire pour les grands impatients de lecture et puis tous ceux qui ont Kindle, leur petite tablette Kindle, ils ont possibilité de le télécharger en version numérique. Donc, le livre, le manuscrit, une fois terminé, est très vite disponible au lecteur, soit en version papier, soit en version numérique via Amazon. Et tu fixes le prix. Tu fixes le prix aussi, donc c'est toi qui vois. On choisit le prix et de la version numérique et de la version papier, et on n'a aucun frais à avancer. Donc, c'est dit comme ça, idyllique, c'est génial. Le problème quand même d'Amazon, c'est qu'il faut du coup se débrouiller soi-même pour la communication, la distribution, la vente. C'est-à-dire que toi, tu avais peut-être quand même une aide, notamment un premier placement dans certains réseaux de librairies via ta maison à compte d'auteur. Moi, je n'ai pas ça. C'est à moi d'aller démarcher maintenant les librairies une à une pour essayer de placer mon livre, sachant quand même que l'auto-édition a encore une presse, pas très bonne presse, Amazon encore moins auprès des libraires, parce que Amazon est le grand méchant qui bouffe le marché des libraires. Donc, quand on va les voir avec notre grand sourire en disant « je suis passée par Amazon pour faire mon livre », il y a une réticence. Je ne dis pas que tous les libraires sont dans ce move. Je pense que certains maintenant ont compris qu'il faut travailler avec les auteurs autopubliés aussi. Mais il y a tout ce travail à faire, qui est au-delà du travail d'écrivain, quand on décide de s'autopublier. Comme tu disais tout à l'heure, je pense que la meilleure solution, c'est les maisons à compte d'éditeur, c'est-à-dire une vraie maison d'édition qui sélectionne le manuscrit et qui s'occupe vraiment de A à Z et de le vendre et de le placer et de le corriger, etc. Mais là, il y a un vrai gros service et en plus de ça, l'auteur n'a rien à avancer en frais. Mais il y a une sélection. Enfin, je sais qu'il y a une sélection. Voilà, c'est des dizaines et des dizaines de manuscrits que reçoivent les maisons d'édition chaque semaine. Et les places sont très, très dures à trouver, quoi. Mais justement, démarrer par l'auto-édition et l'édition à compte d'auteur, c'est aussi se donner la chance d'écrire, de publier et puis de mûrir sa plume aussi au fur et à mesure. Exactement, de faire des tests. Hein ? Tout simplement. Moi, j'ai une logique. Je ne suis pas fermée au fait d'avoir une maison d'édition à compte d'éditeur, évidemment, mais je n'ai pas osé aller soumettre mon manuscrit. Je me suis dit que de toute façon, j'avais aucune notoriété, que c'était mon premier livre, etc. Je me suis dit, je vais pas perdre mon temps à ça. Par contre, dans ma logique, si je pouvais, maintenant que j'ai publié mon livre, faire assez de bruit, avoir assez de lecteurs, avoir assez de commentaires pour interpeller une maison d'édition qui me propose un contrat, ce serait cool. Cette vidéo fait partie du bruit que j'ai envie de faire, si tu veux, quelque part essayer de se faire repérer et se faire démarcher par une maison d'édition. Pourquoi pas, ça peut marcher dans ce sens-là aussi. Bien sûr. Bon, du coup, on va peut-être commencer par parler de nos livres un peu, quelques minutes pour se faire connaître un petit peu. Donc, Clémentine, parle-nous de ton livre déjà pour commencer. Alors, mon livre, finalement, il est très connecté au thème du jour, de l'idée à l'envie d'écrire, hein, puisque mon livre, c'est l'histoire d'une jeune femme qui passe la procédure d'agrément pour devenir famille d'accueil parce qu'elle a très envie au fond d'elle de recueillir un enfant et de l'aider et qui va se rendre compte de toutes les embûches liées à ce métier. C'est-à-dire que c'est un métier qui est quand même très lié à la vie personnelle et elle va se rendre compte que quand la vie personnelle ne va pas très bien, finalement, c'est compliqué de bien faire ce métier. Et à l'inverse, le fait de recueillir un enfant va peut-être avoir un impact sur sa vie personnelle. Et donc, va se succéder tout un tas de péripéties suite au recueil d'un enfant, pour elle, pour l'enfant, pour la famille de l'enfant et pour sa famille. Et quelque part, si tu veux, quand je te dis que c'est très lié à l'idée et l'envie d'écrire, c'est que j'ai moi-même passé cette procédure d'agrément.
pour devenir famille d'accueil. Donc, je suis actuellement assistante familiale. Je n'ai pas d'enfant parce que pour plein de raisons, je n'ai pas encore activé mon agrément. Mais j'ai passé cette procédure et au cours des entretiens que j'ai passés, j'ai rencontré des femmes qui m'ont questionnée. Je me suis posé beaucoup de questionnements sur moi-même, sur mes travers, des choses comme ça. Et ça m'a donné l'envie d'écrire sur le sujet. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui m'ont profondément énervée au cours de ces entretiens, notamment tout le rapport à l'argent qu'il y a autour du placement des enfants aujourd'hui en France. Hein. On est rémunéré pour recueillir des enfants avec tous les débordements que ça peut engendrer. Tu t'imagines bien, dès qu'on fait rentrer de l'argent dans n'importe quoi, de toute façon, il y a des travers. J'ai trouvé les contrôles assez faibles, finalement. Moi, on m'a gentiment dit qu'on allait me confier un enfant sans trop savoir ce qui se passait chez moi. Je me suis rendu compte du gros manque de familles d'accueil, de la situation catastrophique des enfants aujourd'hui qui sont en attente de placement. Et tout ça a créé une rage, une envie d'écrire sur le sujet, de dénoncer. De dénoncer le manque de familles d'accueil, de dénoncer des procédures un peu floues, de dénoncer tout le rapport à l'argent. Quelque part, l'envie vient de là. Une grosse envie de s'insurger contre la société et d'affirmer son point de vue. Son point de vue à soi et quelque part, l'annoncer dans la vraie vie, c'est-à-dire rencontrer des gens et leur dire ce qu'on pense, c'est toujours mal perçu. Parce qu'on passe pour quelqu'un de rageux, etc. Par contre, à l'écrit, l'écrit a cette utilité qu'on peut poser les choses calmement, avec de l'émotion, avec de la douceur, mais toujours faire passer le même message, mais peut-être de façon plus posée. Enfin, moi, je sais que je m'exprime mieux à l'écrit qu'à l'oral parce que je suis une tête brûlée et qu'à l'écrit, j'arrive à canaliser. Mmh. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que je peux dire de plus, si c'est assez clair, cette envie qui est imbriquée à la vie, qui est imbriquée à l'idée, l'idée de la femme qui passe son agrément pour recueillir un enfant, m'est venue par ma propre vie. Alors après, ce n'est pas une autobiographie du tout. C'est-à-dire que je suis partie de ce contexte, j'ai placé un personnage, je l'ai placé dans le contexte de passer son agrément et de recueillir un enfant, mais j'ai construit l'histoire en me mettant à la place du lecteur. C'est-à-dire que moi, si j'étais un lecteur, je m'en fous un peu de la vie de Clémentine Cambier. J'ai envie d'un personnage avec ses qualités et ses défauts qui traverse des péripéties. J'ai envie d'avoir un... comment ça s'appelle ? Turnover ? Le fait de tourner les pages. Page turner. Voilà, tu vois, je suis nulle en anglais. J'ai envie d'avoir quelque chose qui me donne envie de tourner les pages. C'est ça. J'ai envie d'arriver à un moment où le personnage il est dans une situation de merde, où on se dit qu'il ne va jamais s'en sortir, et d'avoir une fin. Ça, c'est plus ma vie, si tu veux. Je suis vraiment... J'ai construit une histoire. Je le rejoins à ma deuxième, et après, je te laisserai la parole. La deuxième chose qui m'a donné envie d'écrire vraiment et qui peut paraître un peu un but soi-même, mais c'est pas ça du tout. Mais j'ai lu tellement de romans en me disant « Oh là là, j'aurais fait mieux » ou « Oh là là, je suis déçue par la fin » ou « Oh là là, mais pourquoi l'auteur écrit comme ça ? Mais moi, je l'aurais tellement écrit différemment. » Et donc, ma deuxième envie d'écrire est venue de là aussi, c'est lire des histoires finalement que j'aurais écrites différemment. Quoique les histoires qui m'ont portée au plus haut point, elles m'ont démotivée à écrire parce que je me suis dit je ne ferai jamais aussi bien. Non mais c'est vrai. Il y a quand même des références qui t'ont fasciné. J'aime lire beaucoup et les histoires que j'adore de A à Z, évidemment c'est mes histoires préférées, mais quelque part elles me font naître un complexe d'infériorité qui me bloque. Par contre, ceux qui font moins bien, bon, ben, je m'appuie dessus en me disant « je vais peut-être pouvoir faire mieux ». Bon, tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Voilà, donc pour présenter et le thème de mon livre et globalement comment est venue cette idée d'envie d'écrire, l'imbrication entre les deux. Et je te laisse la parole pour toi, sauf si tu veux rebondir sur ce que j'ai dit. Je trouve ça très intéressant. Toi, tu as décidé de faire de l'écriture maintenant. Alors, c'est assez récent, je pense. Ton métier ? Oui. Alors, j'en vis pas, mais c'est mon ambition. C'est ça. Ça se construit progressivement, de livre en livre. Bien sûr. C'est un accumulateur, en fait, le livre. Exactement. Parce que,
plus on en écrit, plus on en a de disponibles à vendre, et donc plus on peut en vendre proportionnellement. C'est un accumulateur. C'est comme la retraite pour les politiques. bon. Un jour, à part les politiques. Hein. comment dire, ben, moi, les gens me connaissent un petit peu. Je suis surtout youtubeur là depuis 2017. J'ai écrit depuis 2012 pour du roman, pour du jeu de rôle, pour des essais philosophiques. Je m'intéresse à beaucoup de choses. En fait, il y a beaucoup de nourriture philosophique. D'ailleurs, ça se ressent dans ce que j'écris. Hein. Mes romans sont ponctués de réflexions qui posent des débats philosophiques. Mon roman, c'est l'histoire d'un empire qui est en train de s'effondrer. C'est un empire oriental, mais pas un empire oriental tel qu'on a pu le connaître dans notre histoire. On est dans une histoire alternative, dans une utopie en quelque sorte, dans un autre monde du multivers. Et dans cet empire, il y a des correspondances avec des peuples qui ont existé de par l'Orient, le Moyen-Orient, l'Asie, l'Afrique. Donc il y a des titulatures qui reviennent, qui sont communes avec des titulatures qu'on connaît nous. Et en fin de compte, les questions qui se posent sont des questions sur l'exploitation, sur la traite, puisqu'il y a des questions d'esclavage, sur l'exercice du pouvoir. La grande question philosophique en fait, de ce roman, c'est qu'est-ce que la noblesse ? Qu'est-ce que la noblesse ? Et qu'est-ce que le pouvoir ? On a différentes factions qui s'affrontent pour... dominer les restes de cet empire qui est en déliquescence et différents personnages qui ressortent avec chacun leur approche plus mystique, plus pragmatique et dans tout ça il se trouve qu'à un moment donné et là l'œuvre poétique apparaît donc un sage conseiller des puissants de l'empire part en quête d'un jeune homme au fond des montagnes d'un pays occidental qui est élevé depuis des années par des oiseaux géants, les simurgues, qui sont les oiseaux de la poésie persane, et qui a grandi en quelque sorte dans la vie sauvage, et tel un ingénu, il va découvrir le monde alors qu'il est l'héritier présomptif de cet empire. Il va découvrir le monde et se confronter aux réalités de l'humain. Qu'est-ce que l'homme finalement et comment, avec toutes ses misères, il peut ou non mériter qu'on s'intéresse à lui, qu'on cherche à le rehausser, à l'aider, l'émanciper. Quelle va être en fait la position que va prendre ce héros en herbe dans tout ça, ça dépend effectivement de ce à quoi il va se confronter. Il va rencontrer l'amour, il y a différentes choses comme ça qui vont être intéressantes dans son parcours dans ce roman. Et voilà, c'est un roman de dark fantasy orientale dont je suis en train d'écrire le deuxième volume actuellement. Quoi. Voilà. Alors du coup, toi, c'est quand même moins ancré dans la réalité que moi. Donc, on a envie d'écrire. Mais le besoin de légitimité auprès du lecteur se construit parce que le besoin de cohérence chez le lecteur est tout aussi important dans la fantasy que dans une histoire qui se passerait dans notre réalité. Il faut qu'on puisse s'immerger. Pour qu'on puisse s'immerger, il faut que les choses rationnelles y soient. Voilà, ça doit être rationnel. De toute façon, même dans un univers de fantasy, les personnages ont les mêmes émotions que dans la vraie vie, les mêmes problématiques, les mêmes enjeux. Là, tu parlais de travail. En fait, c'est un gros travail de réflexion sur le pouvoir, sur la puissance, sur la noblesse. C'est des notions qu'on retrouve aussi dans la vraie vie. Est-ce que toi, à travers cet univers fantastique, c'est des notions que tu as eu envie
comme moi, un petit peu de t'insurger contre et de te servir de l'écrit pour ça. Ton envie d'écrire, du coup, est moins ancrée dans ta vie que la mienne, quoique, du coup, peut-être. C'est à toi de me dire si... J'ai une conscience politique depuis très jeune. Je me suis toujours intéressé à la pensée, à la spiritualité, à la philosophie. Donc, pour moi, c'était une évidence que ça devait ressortir. Par contre, je suis beaucoup plus lecteur d'essais ou de vulgarisation plutôt que de romans. Donc, dans un premier temps, dans ce roman-là, je me suis attardé sur le style du conte, de la chanson de geste, l'écriture un peu à l'ancienne. Ça se ressent beaucoup dans l'écriture. Progressivement, on va vers le roman, on va vers une écriture plus moderne, mais il y a d'abord une écriture très ancrée dans les anciens styles, le conte. Tu n'as pas vraiment commencé à écrire ce texte en te disant « je vais faire un roman » finalement. Non, c'est venu progressivement parce que l'idée au départ, c'était de créer un jeu de rôle qui passait dans l'univers de fantasy. Oriental, parce que je voulais vraiment faire quelque chose dans l'ambiance des Mille et Une Nuits, mais j'en avais une vision qui allait beaucoup plus loin que les Mille et Une Nuits elles-mêmes, en fait. Et comme je suis un peu islamisant, j'ai connu une période très proche avec l'islam, sous toutes ses formes d'ailleurs, hein, chiite, sunnite, soufi, etc. Donc, c'est quelque chose que je connais, que j'ai fréquenté. Du coup, j'ai aussi une approche qui visait à faire davantage connaître certains aspects qu'on ne voit pas. On voit un peu toujours les mêmes aspects dans notre vie parce que on n'est pas passé par le registre de la pratique ou de la fréquentation de l'intérieur de ces choses-là. Donc, on ne se rend pas compte de tout. C'était pas le sujet de l'islam. D'ailleurs, il n'y a pas d'islam vraiment dans ce monde-là et il n'y en a certainement pas dans ce livre. Mais à travers le jeu de rôle que j'ai développé au début, quand il était question de le développer, j'attendais un peu à travers mes potes de jeu de rôle qui contribuent, qui m'aident à écrire, qu'on fasse un petit peu ensemble. Et puis en attendant, je me suis dit, je vais me mettre à la plume, je vais écrire, et puis au fur et à mesure, je vais poser des idées, et ces idées vont nourrir cette création. Et puis en fin de compte, ils sont jamais venus, ils m'ont dit, écoute, c'est ton truc, vas-y, fais-le, lance-toi et va jusqu'au bout. Et ça a été fatigant, mais enfin, ça a été très, très enthousiasmant aussi. Et j'ai finalement réussi à mener les deux, à créer à la fois le jeu de rôle et le roman. Et donc, le roman est aussi un roman de contexte pour découvrir l'univers de Gandaria, Seigneur des Arcanes, qui est le premier jeu de rôle qui a lieu dans cet univers, toujours Gandaria. Et il y aura d'autres jeux de rôle qui auront lieu dans cet univers. Je suis en train d'écrire un supplément qui a été financé en janvier pour Balad al-Jama, qui sera la ville de départ des aventures de Gandaria. Et on prévoit ensuite, pour 2025, un atlas où là, on va avoir la possibilité de faire jouer dans n'importe quel royaume de l'Empire avec le contexte du roman « L'âge de la pénombre » comme story time des aventures de Gandaria, quoi, voilà. Donc toi, c'est vraiment un livre évolutif, tu vas pouvoir créer tout un tas de choses autour de ton livre. C'est ça, il a vraiment fallu... c'est un petit peu comme A Song of Ice and Fire, là, Game of Thrones. Oui. C'est-à-dire qu'il y a tout un univers à développer. Donc t'as beaucoup de lieux, t'as tout ça. C'est ça, il y a un côté, il faut que tout ça soit cohérent. Il y a beaucoup de choses qui sont développées, qui n'apparaissent pas encore dans le roman, qui vont venir dans les suites progressivement. Mais il y a de quoi tenir une bonne saga, déjà rien qu'avec ce qui a été développé dans le background, quoi. Voilà. Okay. C'est l'ambition. Est-ce que tu pourrais, pour aborder vraiment le sujet du jour, allons-y. Juste... En une phrase, peut-être, essayer de me dire qu'est-ce qui t'a vraiment donné l'envie d'écrire? Quand est-ce que ça t'est venu? Est-ce que c'est récent? Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours fait partie de toi? En fait, je pense que avant, quand j'étais adolescent, j'étais dessinateur, je dessinais tout le temps.
Et j'avais envie de raconter des histoires avec mes dessins. J'avais envie de faire de la bande dessinée. Simplement, en 2003, j'ai commencé à rencontrer des difficultés avec le dessin, avec la plume. J'ai jeté mon crayon et j'ai pas retouché au crayon pendant des années pour le dessin. Et déjà, j'avais l'habitude régulièrement d'écrire des idées ou du journal. Je tenais des écrits, j'étais toujours avec mes cahiers. Même si j'avais arrêté les études, je me baladais tout le temps dans les cafés avec un cahier, un crayon, un stylo. J'écrivais, je dessinais. Donc, l'écriture a continué à me travailler pour différentes choses, hein, soit une pensée, soit voilà. En fait, j'ai toujours eu cette fréquentation du stylo. Je crois qu'au départ, c'était pour accompagner des projets qui devaient être sous forme. J'imaginais des vidéos, des films, etc. Mais tout ça, c'était fictif. C'était juste du synopsis. Ouais. À un moment donné, là, en 2012, je me suis dit bon, j'ai arrêté le travail salarié. Et ben maintenant, on va faire quelque chose d'intelligent. On va se mettre à fond là-dedans. Et on va pas faire juste un synopsis, on va vraiment faire une histoire. Et le format le plus facile pour pouvoir le faire, c'est le livre. Oui. Sur le livre, il y a juste besoin d'écrire et ça prend vie, quoi. Un papier, un crayon et on crée une histoire, c'est fabuleux, hein. Et toi, alors ? Alors, moi, c'est pas quelque chose qui m'a habité toute ma vie, bizarrement. Le dessin, oui, tu vois, si tu regardes derrière, je dessine aussi beaucoup. J'ai un père artiste peintre qui fait que j'ai grandi dans un univers de peinture. J'ai un frère compositeur qui, lui, m'a fait apprécier la musique. Mais j'ai personne qui écrit dans ma famille. Par contre, c'est une famille de lecteurs. Hein. Ma mère m'a beaucoup, notamment, inculqué le plaisir de lire des romans. Elle me prête beaucoup de romans, on s'en conseille, etc. Par contre, écrire, ça m'est venu il y a 3 ans. Pourquoi ? C'est toujours, en ce qui me concerne, moi, très imbriqué aux émotions personnelles. Hein. Je suis arrivée dans un stade de ma vie où je ne savais plus trop où j'en étais professionnellement. J'avais le dessin, j'avais la musique, j'étais graphiste. Je sentais que... comment dire ? Douée dans tout, experte dans rien. Il n'y avait rien qui me donnait la flamme, quoi. Et donc, j'ai fait une thérapie pour essayer de voir un petit peu comment me cadrer professionnellement. Et au cours de cette thérapie, je me suis rendu compte que j'étais peut-être faite pour écrire. Notamment parce que c'est une thérapie que j'ai faite, entre autres à distance, par mail avec une thérapeute. Et que j'ai pris un plaisir fou à raconter des histoires à ma thérapeute, à lui raconter ma vie, des choses comme ça. Et je me suis rendu compte que ça filait bien. Et elle me répondait à chaque fois, c'est super comment vous me racontez votre vie. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, je suis partie comme ça. Par contre, j'ai toujours eu... ça a toujours été mon moyen de communication favori. Je n'aime pas le téléphone. Je ne suis pas forcément à l'aise à discuter de vive voix avec les gens. J'ai toujours été une grande envoyeuse de mails. Quand j'ai voulu déclarer mon amour à des gens, ça a toujours été par des lettres, ça a toujours été. Donc c'est quelque chose quand même, c'est une méthode d'expression qui me convient bien. Voilà. Voilà. Et qui permet, et ça c'est quelque chose que je conseille aux personnes qui sont un petit peu comme moi, qui ont peut-être du mal à faire passer leurs idées. L'écrit est bien pour ça. Ça permet de faire passer les idées posément. Voilà, si on est un peu trop impulsif, c'est très très bien. Ok. Mais tu me disais quand même, t'es lectrice beaucoup de romans, donc t'as aussi la culture de la lettre, quand même, du style narratif, de l'identification au personnage par le jeu du personnage de point de vue, des choses comme ça. Et la différence avec toi, c'est que moi, pour le coup, j'ai démarré en me disant, je vais écrire un roman. Donc, d'emblée, j'ai construit ça en me disant, ce sera un roman. Je n'y connaissais rien, évidemment, parce que quand on décide d'écrire un roman, on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc, j'ai commencé par aller regarder des tutos, des vidéos sur YouTube. Comment ça se construit ?
Est-ce qu'il faut faire un plan? Comment on fait un plan? J'ai découvert notamment le plan en trois actes. Un début, un milieu, un climax, une fin. J'ai basé mon histoire sur un schéma de roman. Voilà, Climax, les gens qui ne sont pas auteurs, ne savent pas forcément. Climax, c'est, on va dire que c'est vraiment juste avant la conclusion du roman. C'est le moment où le personnage principal, généralement, est dans une situation pas possible, où le lecteur est censé se dire, si on a bien fait notre travail, mais comment il va sortir de cette situation? C'est le paroxysme, en fait. Voilà, c'est le paroxysme. C'est le moment où, normalement, le personnage principal est au plus haut de l'explosion d'émotion, de stress, de... Voilà. Enfin, après, un climax peut être très doux aussi, hein, mais moi, dans ma vision, c'est le point culminant du livre, juste avant la conclusion. Et c'est un point qui est quand même important. Moi, ça fait partie des livres qui m'ont donné envie d'écrire. C'est ceux qui, à partir du climax, ont fait n'importe quoi. Qui m'ont sorti une fin du chapeau qu'on ne pouvait pas deviner. Mais ça se construit en amont. C'est-à-dire qu'en tout cas, à mon sens, quand on décide d'écrire un roman, on sait où on va. Et tout le long du roman, on laisse des petits indices au lecteur pour qu'il puisse deviner la fin. Pas qu'il arrive au moment de la fin en se disant « Mais attends, ça, je ne comprends pas, j'en ai jamais entendu parler tout le livre et ça vient de nulle part. Ouais. » Voilà. Okay. Et toi, c'est l'inverse, tu as adapté un texte qui n'était pas un roman pour en faire un roman. Donc, tu as fait un travail un petit peu inversé par rapport à moi. Mmh. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que en fait, c'est venu assez spontanément. La première partie qui a été écrite sous le format Soleil d'Ariman, c'était juste en fait de la, comment on appelle ça, pas de la présentation, de la mise en situation, de l'exposition, voilà. C'était l'exposition du thème de la saga. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même, dans cette édition-là, L'âge de la pénombre était plus loin que l'exposition et amené un certain nombre de thèmes et un certain nombre d'événements qui permettaient de dire, ok, bon, là, on est vraiment rentré dans l'histoire, dans l'aventure, quoi. Voilà, donc c'était important. C'était important qu'on atteigne un point quand même d'évolution dans l'histoire et pas juste d'amener jusqu'au summum de l'horreur en quelque sorte de la catastrophe, qu'on aille au-delà et qu'on explore aussi des aspects du personnage principal qui faisait ressortir comment dire, sa possible adaptation à la situation future. Telle qu'elle va se présenter dans la saga. Oui, je sais plus c'était quoi la question. Oui, donc il n'y a pas vraiment de climax en fait dans ce roman. Il n'y en a pas vraiment. Moi je dis climax d'ailleurs plutôt, mais bon, je ne sais pas si ça se francise comme terme. Il n'y a pas vraiment de climax dans ce roman. Il y a pas mal de tensions pendant tout le long. Mais on a quand même des belles scènes, hein, très aventurières. Il y a principalement en fait des enjeux politiques aussi qui se jouent et qui là, eux, par contre, on peut identifier plusieurs moments très très denses, oui. Très très intenses. Plusieurs moments clés finalement qui tient le lecteur en haleine. C'est ça. Donc et puis effectivement, j'ai fait des chapitres très courts. Pour en trois parties, le livre est divisé en trois parties. J'ai fait des chapitres très courts pour justement faire un livre un peu métro. Mais c'est vrai qu'il y a un réseau de personnages parce que c'est une saga, donc comme d'autres, il faut étoffer avec pas mal de personnages. Et donc pour s'y retrouver au début, alors j'ai décidé dans cette édition-là de présenter les personnages principaux via des illustrations au début du livre pour qu'on puisse les reconnaître et s'y retrouver quand on est un peu perdu. Mais c'est qui lui? On revient au début du livre, on fait « Ah oui, c'est… » Hop. Donc, on arrive à identifier entre l'image et le personnage avec son nom de scène en fait, qui fait quoi. Donc ça, c'est très fonctionnel, ça marche bien.
Et puis il y a une carte aussi qui est donnée pour comprendre la géographie, parce qu'il y a des voyages, donc c'est important d'avoir une carte pour identifier qui vient d'où, qui est où, etc. dans tous ces voyages. Voilà, donc ça c'est un petit peu les spécificités de ce que j'écris. Et du coup, ton prochain roman, est-ce que tu refais pareil, c'est-à-dire tu pars d'une idée et tu l'amènes vers le roman, ou est-ce que tu as décidé de le travailler du coup dès le début, plus roman? Non, je suis vraiment dans le roman. Voilà. Dans le roman. Je suis en train de faire ce qu'on appelle typiquement un avant-texte, c'est-à-dire que je pose les chapitres au fur et à mesure que ça vient, pas forcément dans l'ordre chronologique, et puis au fur et à mesure qu'ils s'écrivent les uns avant, après, les autres, etc., je structure. Et j'appelle ça un avant-texte parce que je sais que je peux être amené à tout revoir à un moment donné pendant une relecture préparative, qui ne sera pas la relecture finale, ou à rajouter des choses, ou à en enlever, ou modifier des expressions, rajouter des paragraphes, etc. Donc c'est juste, en gros, je vide tout ce que j'ai en stock dans mon imaginaire pour vraiment constituer le texte tel que je le vois dans un premier temps. Et puis ensuite, ensuite je vais revoir ce que j'ai écrit d'un point de vue roman, c'est-à-dire que je vais défiler tout en me disant, voilà, c'est un roman, et là, dans un roman, il faut respecter ces règles-là. Ici, je ne les ai pas respectées, donc on va modifier, on va faire plus de descriptions, on va rajouter des dialogues, etc. Voilà. Justement, je rebondis sur ce que tu as dit. Moi, quand j'ai commencé à écrire, je vais écrire un roman. Quand j'ai commencé à aller me renseigner sur comment on écrit un roman, je ne pensais pas qu'il y avait autant de règles. Mais en vrai, les lecteurs sont habitués à des standards, quelque part, d'histoire, à des histoires en trois actes. Alors, c'est pas tout à fait vrai, hein, parce qu'il y a des histoires en sept actes. Enfin, il y a quand même une sorte de standardisation d'écriture. Quand on s'y écarte trop, on a du mal à trouver un lectorat. J'ai l'impression que les gens ont besoin de retrouver ce à quoi ils sont habitués. Et moi, donc je suis en train d'écrire un deuxième roman, là. Je travaille ma méthodologie toujours pareil. Je commence par un plan. Et donc, chapitre par chapitre. Alors, je ne travaille pas en chapitre, moi, je travaille en scène. Une scène, c'est un endroit, des personnages, et puis le temps que dure l'endroit et les personnages, c'est une scène. Unité de lieu et de personnages comme au théâtre. Voilà, c'est ça. Et dans un chapitre, il peut y avoir plusieurs scènes. Mais je travaille en scène et je déroule mes scènes, donc du début jusqu'à la fin. En tout cas, je fais des tirées pour savoir ce que je vais faire. Alors, je suis pas rigide sur mon plan. C'est-à-dire qu'en cours d'écriture, ça peut m'arriver de rajouter des scènes, d'en enlever... une scène que j'avais prévue à la base, finalement, je vais complètement la modifier parce que mes personnages ont envie de faire autre chose ce jour-là. Enfin, peu importe. Hein. Mais je ne suis pas rigide sur mon plan, mais en tout cas, je garde cette méthodologie. Et il y a quand même autre chose qui est important pour moi. Mon premier livre, comme je te l'ai dit, avait pour sujet, on va dire, le thème des familles d'accueil, le thème du placement d'enfants. Mon deuxième livre a un autre thème. Mon deuxième livre, par exemple, va y avoir l'éco-anxiété. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est que l'éco-anxiété. C'est ouais. Les personnes qui tombent dans une anxiété extrême à cause de la situation écologique de la planète. Et je pense que quand on a une idée, une envie d'écrire, quand on a envie d'écrire un roman, c'est bien d'avoir un thème, d'avoir quelque chose, de ne pas avoir une histoire creuse. Quelque part, l'écrit sert à dénoncer ou à encenser quelque chose, en tout cas, mais pas un livre creux, quoi. Je trouve qu'il faut qu'il y ait du sens, un minimum. Il y a quelque chose à dire. Au-delà d'une jolie petite histoire d'amour, par exemple, j'aimerais que derrière une belle histoire d'amour, il y ait quand même un sujet plus profond qui porte l'histoire. Enfin, je ne sais pas si tu as cette logique ou pas, toi. Oui, bien sûr. Mais début. Si on revient vraiment au thème idée, envie, quelque part, c'est lié à un besoin de parler de choses profondes, un minimum. Quand on écrit, il faut avoir des choses à dire sur des sujets importants, je pense. Ouais. Enfin, c'est mon moteur. Je te rejoins.
même si on prend d'autres auteurs qu'on a pu lire, d'autres romans, il y a une exploration. Et moi, je vois par exemple, je pense intuitivement comme ça au Papillon des étoiles de Bernard Werber. Ah oui. C'est un La fin ne justifie pas l'œuvre en elle-même, le voyage en lui-même du papillon des étoiles, mais le propos, il est vraiment porté sur ce papillon des étoiles, son projet, sa réalisation, l'aventure humaine que ça représente à travers les siècles. Et donc, c'est très intéressant de voir son exploration de l'espace dans le but d'aller coloniser une nouvelle planète, mais on sent qu'il y a un propos qui est ouvert sur voilà pourquoi migrer de la Terre, pourquoi constituer un voyage dans l'espace pour migrer de la Terre, bah parce que la Terre n'arrive plus à supporter le niveau de connerie humaine. C'est ça. Il y a un thème, si tu veux, c'est ça qui est important. Et d'ailleurs, je rajoutais, c'est à cause de ce niveau de connerie humaine que potentiellement le papillon des étoiles peut ne pas arriver à terme. Impossible. Mais alors, il faut savoir que tu nous cites l'exemple d'une institution de l'écriture quand même. Bah oui, mais comme ça, au moins, les gens peuvent voir de quel livre je parle. Il faut savoir qu'il a une méthodologie de travail assez incroyable, hein, lui. Je ne sais pas si tu la connais, mais il va écrire un texte qu'il va jeter, qu'il va réécrire de mémoire, qu'il va jeter, qu'il va réécrire de mémoire. Enfin bon, il arrive à une espèce de perfection comme ça que je n'ai pas, moi. Mais c'est comme Zola. Zola, lui, le matin, il faisait que des travaux préparatifs. Alors, il t'inventait des personnes. Tous les matins, il inventait des personnages. Il racontait leur vie. Il disait qu'est-ce qu'il fait le matin, qu'est-ce qu'il fait le midi, le soir, comment il est dans sa tête, quelles sont ses mauvaises habitudes, etc. Et l'après-midi, il écrivait un chapitre où il se servait de ses personnages ou pas, d'ailleurs. C'est ça. Voilà. Non, mais c'est bien. Mais en tout cas, oui, l'envie Bon, il faut partir d'une envie, il faut partir d'une idée, il faut partir d'une conviction. Et puis après, c'est mon ressenti, construire ça sous forme de roman, se renseigner. Nous, on fera des vidéos peut-être sur la construction vraiment du roman, plus précisément. Ouais. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tutos aujourd'hui, d'auteurs qui partagent leur ressenti sur comment construire un roman. Je vous conseille d'aller voir ça. Envie, idée, construction, et puis après, il n'y a pas de secret, c'est l'écriture. Mais c'est ça, faut s'y mettre. Et là, par exemple, tout de suite maintenant, depuis 2-3 jours, j'ai écrit 0 mot parce que j'y arrive pas, quoi, j'ai pas d'idée. Il y a des moments comme ça où. Mais des fois, il faut que ça travaille à l'intérieur, il faut que le film puisse apparaître, quoi. Il faut chercher à visualiser, puis à un moment donné, tu visualises, ça y est, j'ai cette scène, là, je vois tout à fait. Donc là, tu es dispo. Et encore, des fois, tu fais, non, je vais attendre un peu que la scène soit plus précise dans ma tête. Et puis là, voilà. Mais pour passer à l'idée, je pense que l'idée, ça doit pas être tout de suite avoir une vue d'ensemble sur. En tout cas, moi, je fonctionne pas avec une vue d'ensemble. Souvent, quand je commence à me faire un plan d'écriture, c'est foutu, j'écris plus rien. Alors, je suis tellement satisfait de mon plan, je me dis, oh là là, et en fait, je n'arrive pas à rentrer dans le plan et à écrire, c'est impossible. Il faut que ça parte comme un premier jet, comme une émotion, comme un lâcher de ballon, quoi, parce que il n'y a que comme ça que j'arrive à écrire. D'accord. Si j'écris un plan, à chaque fois que j'écris un plan, je ne vais pas au bout. Donc, ce truc-là, dans Daria, je n'écris pas de plan, je sais où je vais parce que j'ai trois saisons qui sont dans les grandes lignes. Écrites, mais voilà, dans les grandes lignes, et je sais que je peux très bien corriger ça au fur et à mesure que j'écrirai, j'en tiendrai compte dans la mesure où c'est cohérent, et voilà. Parce qu'on a deux façons de travailler totalement différentes, c'est bien, on va pouvoir partager là-dessus. Complètement. Est-ce que au moins, j'ai une question, est-ce qu'au moins quand même tu connais ta fin, ou même pas ? Si, à peu près. Ok. À peu près. Mais c'est flou, mais... Pas quand même. Il y a deux scènes que je vois à la fin qui sont importantes et je sais comment je vais conclure. Mais bon,
Voilà, on n'en est pas là. Heureusement que je connais ma fin, parce que Game of Thrones, on attend encore. Hein, Ok. Enfin bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Donc alors, l'idée, pour moi, c'est surtout la prémisse. C'est de savoir, en fait, de quoi je veux que ça parle. Et en fait, pour moi, la prémisse, plutôt que de partir d'une rédaction de la prémisse, parce que je n'avais pas la méthode John Truby classique d'écriture d'une prémisse, je suis parti, en fait, du schéma qu'on appelle le monomythe. Joseph Campbell en parle un petit peu dans son livre « Le héros au mille et un visages ». C'est le monomythe, c'est... l'histoire un petit peu universelle qu'on retrouve dans tous les grands récits des épopées. Et moi, je me suis mis dans la tête que j'allais coller au plus près à ma vision de ce qu'on appelle la légende de la perle, qui est une légende, moi, qui m'a parlé tout de suite, qui est une légende initiatique qu'on retrouve dans le manichéisme, une culture orientale hein, de Perse. Et je me suis inspiré de cette légende de la perle pour comme point de départ. J'ai nourri ça avec d'autres lectures, le Shahnameh de Ferdowsi, donc d'autres ouvrages qui parlaient d'épopée. Et c'est pas, j'ai essayé d'en faire quelque chose de singulier. D'ailleurs, l'idée, c'était pas de mélanger des trucs, c'était de prendre des éléments constitutifs d'une démarche. D'inclusion d'un personnage, d'un protagoniste auquel on va s'identifier dans une situation bien concrète qui lui donne une justification. L'idée, c'est qu'il est là pour se démarquer parce qu'il faut se démarquer. Voilà. Donc, la construction, elle s'est faite plus par rapport, on va dire, au côté les classiques du légendaire, quoi, on va dire. Ce qui n'est pas du tout la démarche quand on crée un roman moderne sur une histoire de la vie de tous les jours. Là, mais c'est vrai que forcément qu'on a des méthodes d'écriture différentes, rien que par le genre, en fait. C'est Moi, ça. Je suis tellement ancrée dans la réalité que quelque part, faire quelque chose de... avec un plan très, c'est assez simple pour moi d'écrire une histoire qui aurait pu se passer dans la réalité comme ça. Toi, tu es quand même beaucoup plus dans un univers imaginaire où quelque part, on ne sait pas trop ce qui va se passer puisqu'on ne l'a pas vécu dans la vraie vie. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Moi, c'est des histoires assez téléguidées. Elles ont toutes été... Enfin, c'est des histoires qui ont eu lieu dans la vraie vie quelque part. Enfin... Mmh. J'essaye en tout cas de me rapprocher de quelque chose qui pourrait avoir eu lieu dans la vraie vie, oui, en tout cas. De même, moi, je vais essayer, on va dire, de partir d'éléments du monomythe qui sont connus, la culture. Alors, mais c'est comme dans Star Wars, hein, on a le samouraï Dark Vador avec, je ne sais pas moi, le cow-boy Han Solo, le chevalier Luke Skywalker. C'est des stéréotypes, hein. Bien sûr. C'est des stéréotypes qu'on peut... Alors ça, pareil, dans les sujets qu'on pourra faire, la création de personnages, c'est super intéressant comme sujet. Ouais. Ça, c'est les stéréotypes, les arcs narratifs, tout ça, ce sera des sujets à aborder. Tout ça, ça viendra au fur et à mesure, mais l'idée, c'est souvent, voilà, en une phrase, essayer de résumer son histoire... sans mettre des conjonctions de coordination et des phrases de 3 km de long, une simple phrase qui développe qui, quoi, voilà. Comment et où ça va, quoi. Quel est une histoire efficace, c'est ça, de toute façon. C'est une histoire qui, en une petite phrase, on connaît le thème, quoi. Voilà, c'est... Ouais. Moi, je suis un peu à court d'idées sur quoi dire. Est-ce que toi, tu as fait le tour de... Sinon, je te relaisse la parole. Je crois que j'ai fait le tour à peu près de ce que j'avais à dire sur de l'idée à l'envie. Moi aussi. C'est pas nécessaire de broder à outrance. Non, on fait une petite heure d'émission. Je pense que c'est très bien. J'invite quand même les personnes qui vont visualiser cette vidéo
à nous envoyer des questions s'il y a des sujets qui veulent qu'on développe, hein, ou à nous faire des retours aussi, parce que comme c'est notre tout premier, on ne sait pas si c'est efficace ou pas ce qu'on vient de faire là. Donc, les retours des gens sont les bienvenus. Bien sûr, on attend vos retours. D'ailleurs, que je connais pas, enchantée. Hein. Et puis, on se retrouve. On n'a pas de date encore pour la prochaine. Non, on va essayer de travailler assez régulièrement, mais sans se mettre un rythme non plus forcément ultra régulier. Voilà, on va faire en fonction de notre vie d'artiste. C'est ça, exactement. Entre deux paragraphes, on pourra se revoir en vidéo. Et puis, on vous dit quand même à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles émissions. Et puis, on retrouvera comment. Je vais faire votre connaissance à tous parce que je ne vous connais pas. Voilà, salut à tous. Merci pour cette première collaboration, c'est chouette. Hein. Merci à toi beaucoup, Clémentine. C'était très sympathique et puis très instructif. Je te laisse couper, je ne sais pas faire, moi. À bientôt. Salut.